Le 3 avril, en début de soirée, cherchez la planète Vénus dans le crépuscule en regardant vers l'ouest. Vous la trouverez facilement, c'est l'astre le plus brillant de cette région du ciel. Observez-la aux jumelles lorsque le ciel devient sombre. Vous pourrez voir à côté de l'éblouissante planète un petit groupe d'étoiles serrées les unes contre les autres comme des poussins près de leur mère poule. Ces étoiles, ce sont les Pléiades, appelées bien souvent la poule et ses poussins. Vénus, de la taille de la Terre, est à environ 100 millions de kilomètres de nous. Quant aux Pléiades, elles sont situées bien plus loin, à près de 450 années-lumière de nous, soit 450 fois 10 000 milliards de kilomètres. Il y a dans cet amas près de 3000 étoiles. Elles sont nées il y a environ 100 millions d'années. Par comparaison, notre Soleil est âgé de près de 5 milliards d'années. Lorsque les Pléiades se sont formées, notre système solaire avait largement évolué et des dinosaures parcouraient les continents terrestres.